Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un coup de cœur et aujourd'hui, on va parler de Histoire de peluche. Voilà, c'est un jeu que j'apprécie énormément et donc je voulais vous faire un petit peu une petite présentation du jeu. Alors dans cette vidéo, je ne vous ferai pas un unboxing, hein, vous allez voir quand même beaucoup, beaucoup de matériel, mais je vais surtout vous présenter les deux premiers tours d'un jeu, vous expliquer un peu les mécaniques et puis après, à la fin de la vidéo, je vous donnerai les points forts et les points faibles de ce jeu que je trouve vraiment excellent. Mais il y a quand même quelques points faibles, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Vite fait, petite parenthèse, je vous remercie parce qu'on approche bientôt les 3000 abonnés, c'est assez énorme. Donc voilà, je tenais vite fait à vous remercier. Et comme d'habitude, les partages, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager un maximum les vidéos parce que c'est ce qui me permet de me faire connaître. Donc voilà, un grand merci à tous. Maintenant, on va pouvoir aller sur le jeu. Alors, qu'est-ce que l'histoire de peluche? En fait, c'est un livre aventure. En fait, j'enlève la mise en place qui est très rapide, mais en fait, vous pouvez vous rendre compte en fait que c'est un gros bouquin et que chaque page vous raconte une histoire. Puis, du côté gauche, le plateau du jeu. Donc, je vous montrerai rapidement sans trop spoil non plus, mais vous avez différents plateaux qui vous racontent chacune des histoires particulières, qui ont chacune des mécaniques particulières, donc c'est très intéressant. Chaque plateau aura donc son histoire, sa mise en place. Donc tout sera expliqué dans le livre, dans le place ici, dans le pavé mise en place. Il n'y a aucune difficulté, je trouve, et c'est vraiment l'un des points forts du jeu, c'est que la mise en place est très rapide. Donc vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs, en tout cas c'est ce que la boîte dit, mais sachez que vous pouvez très bien jouer tout seul, en solo, comme moi, soit en duo, mais vous pouvez aussi très bien jouer qu'avec un seul et unique monstre. Il n'y a rien dans les règles qui l'empêche, parce que plus il y a de monstres, enfin plus il y a de peluches, je veux dire, plus il y a de monstres. Donc en gros, la difficulté du jeu est vraiment liée au nombre de joueurs. Maintenant, après jouer en solo, je ne suis pas sûr que ce soit super intéressant, mais voilà, en tout cas, sachez que c'est possible. Et même les durées de partie, vous allez pouvoir vous rendre compte là dans l'explication de règles, mais chaque plateau, parce que oui, vous annoncez une partie de 45 minutes, mais ce n'est pas par plateau, c'est par scénario. En tout, par campagne, je veux dire, il y a à peu près 4-5 plateaux. Donc, vu que les plateaux, ça va assez vite, c'est eux, ils prennent en global. Mais vous pouvez très bien, je pense notamment aux enfants qui veulent jouer le soir avant d'aller se coucher, la mise en place étant rapide, vous pouvez très bien faire qu'un seul unique plateau, prendre en photo les fiches personnages et reprendre que le lendemain la suite du scénario, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire la campagne complète. Voilà, c'était une petite précision. Donc, pour vous expliquer un peu le scénario, il est très simple. Vous jouez les doudous qui protègent une petite fille qui vient de passer du lit à barreaux au grand lit. Et en fait, le lit à barreaux l'a protégée en fait des forces du mal. Et maintenant qu'elle est dans un grand lit, eh ben, elle est entre guillemets susceptible d'être attaquée par le grand méchant Crépitus et toutes ses armées d'horreur. Et donc le scénario est vraiment très enfantin. Après, en même temps, c'est le public qui est visé. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, on se prend. Enfin, moi personnellement, je me suis pris vraiment au jeu. Et que même si le scénario est toujours ce côté un petit peu enfantin, il y a une certaine mise en, un background qui est très important parce que c'est ce qui est le point fort du jeu, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de textes, il y a beaucoup d'écriture, il y a vraiment une grosse mise en, enfin, il y a vraiment un gros travail qui a été fait pour vraiment l'immersion. Tu es vraiment plongé dans cet univers, et même par le matériel en lui-même, c'est très très joli. Je vous montre vite fait les figurines que ma femme a peintes parce que je suis très très fier. Voilà, donc là, elle a peint, donc Pato l'éléphant. Voilà, donc je le dis hein, pour les pros de la peinture, hein, ce n'est qu'une amatrice entre guillemets, mais je trouve qu'elle se débrouille vraiment très très bien, elle commence vraiment à faire des choses vraiment superbes. Je suis vraiment très content. Donc là, c'est les deux personnages avec qui je joue. Puis après, elle a fait d'autres personnages que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Mais voilà. Je vous montre vite fait un petit peu. Donc ça, c'est les figurines. Donc vous en avez plusieurs comme ça. À chaque fois, vous en avez quatre. Parce que c'est le nombre de joueurs. En fait, à chaque fois, la mise en place se fait par rapport au nombre de joueurs. Donc là, nous avons les quatre ici. Mais vous avez aussi de gros boss. Comme là, ce gros robot qui est bombé, qui est prêt à partir en peinture. Nous avons aussi d'autres gros boss comme ça. En fait, voilà, c'est ça qui est assez intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'en termes de matériel, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, la qualité est vraiment au rendez-vous. Et ça, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc, je vous en montre encore quelques-unes. Voilà, pour vous rendre compte. En termes de. Voilà, je vous dis, c'est très joli. Les figurines sont très belles. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à être peintes. Mais en tout cas, voilà, elles sont très 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 belles. Le matos vraiment en lui-même est vraiment super bon. Donc là, juste pour la beauté des yeux, je vous montre les autres héros. Parce qu'en tout, il y a 6 héros différents. Deux que vous ne pourrez pas jouer au départ. Donc c'est le cochon, je crois, et le lion, qui est juste ici. Ces deux-là, en fait, vous devez attendre un petit moment avant de les jouer. Ou un certain scénario. Donc voilà, super bien fait. Donc je remercie encore une fois ma femme d'avoir fait un très beau travail. Donc voilà, la mise en place est faite. J'ai choisi des cartes en fait parce que je vous explique, hein, ils vous expliquent vraiment tout dans le texte. En fait, il n'y a vraiment aucune complication. En fait, tout est expliqué. Ils vous disent en fait de prendre des cartes avec le mot-clé cuisine en fait en bas. Donc je vous montre vite fait aussi les cartes.
Donc là, vous pouvez voir que les mots-clés sont ici, cuisine, cuisine. Donc, deux cartes différentes qui me donnent des bonus en attaque. Mais j'en profite aussi pour vous montrer toutes les illustrations, parce que vraiment, encore une fois, le matériel, la qualité du matériel nous plonge encore une fois dans l'univers du jeu. Et je suis vraiment très très... Enfin, moi, j'apprécie vraiment la qualité apportée au jeu. C'est vraiment très 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 très... C'est important, surtout pour pouvoir être bien immergé. Et franchement, un gros chapeau aux équipes qui ont bossé là-dessus. Après, le reste des cartes qui sont ici ne seront pas utilisées durant la mission parce que nous avons en fait des cartes qui nous permettent en fait de discuter avec des gens. En fait, il y a des petites histoires, des petites missions secondaires qui seront débloquées au fur et à mesure. Ici, ce sont les cartes terrain en fait. Des fois, il y aura des terrains, ils vous diront bah, prendre tel terrain et il y aura des règles particulières selon les terrains. Donc, à chaque début de scénario, ils vous diront bah, prendre telle carte terrain. Voilà. Et puis ici, nous avons la petite fille ici. En fait, c'est son état. Soit elle est endormie. Soit elle est agitée, endormie, réveillée, et en fait, en gros, il y aura un impact sur le scénario. Ils vous diront à chaque fois, bah, tirez telle carte, s'il y a telle chose, il se passe tel truc, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un côté scénaristique qui est très intéressant. Donc voilà, la mise en place, comme je vous dis, ça prend 10 minutes, et maintenant, je vais pouvoir vous expliquer les mécaniques du jeu. Alors, là, le but, il est très simple, il faut qu'on défonce les deux sbires ici pour pouvoir avancer dans le scénario. Et la mécanique du jeu se base uniquement sur des dés. Ici, en fait, je ne sais pas si ça va se voir bien, mais en fait, nous avons pas mal de dés à l'intérieur, là. Et tous ces dés ont c'est des dés de couleurs différentes, et chaque dé a des actions et a des possibilités différentes. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. Je vais en tirer 5. Hop, désolé pour le bruit. Donc, je tire 5 dés. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, très bien. Alors, donc, pour vous expliquer rapidement les couleurs, hein, le dé rouge, c'est le dé d'attaque au corps à corps. Le dé vert, c'est le dé de attaque à distance. Le dé bleu, c'est le dé de défense. Le dé noir, ce sont le dé de menace. Le dé blanc, c'est les dés de rembourrage. Je vous expliquerai ça juste après. Et après, nous avons deux couleurs différentes qui sont les dés jaunes et les dés roses. En fait, les dés jaunes sont pour les fouilles. Vous pouvez fouiller en fait sur les plateaux. Donc là, sur celui-là, on ne peut pas parce qu'en fait, il faut une petite loupe ici avec un chiffre. Là, sur ce plateau-là, il n'y en a pas besoin. Et le dé rose, en fait, lui, c'est un dé joker qui peut faire office de tout. Vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc maintenant, après, il y a un certain ordre à avoir. Il faut utiliser les dés blancs qui sont les dés de rembourrage. Et je vais vous expliquer une mécanique du jeu, en fait, en fait, qui fait tout le jeu, en fait. Actuellement, vous pouvez vous rendre compte sur les fiches personnages. Je vous montre de plus près. Nous avons donc le nom, l'illustration, et ici nous avons donc un dé. Ici, c'est notre zone de réserve, c'est-à-dire que vous pourrez mettre des zones des dés de côté. Ici, le rembourrage, c'est 5, c'est nos points de vie. Donc c'est les petits jetons ici, rembourrage. Et ici, vous avez un cœur qui seront gagnés au fur et à mesure, qui vous permettront d'utiliser des compétences spéciales. Vous pouvez voir aussi que la valeur est de 5. D'accord? Donc quand vous lancez votre dé blanc, vous devez faire 5 ou plus pour pouvoir gagner un rembourrage supplémentaire. Donc là, j'ai fait 3, donc je ne gagne pas de rembourrage. Mais si j'avais fait 6, bah là, j'aurais pu gagner un pion supplémentaire. Je tiens juste à préciser une chose. Il faut faire 5 ou plus, d'accord? Donc si j'avais fait 5, j'aurais gagné aussi un rembourrage. J'ai fait 6, je gagne un rembourrage aussi. Si, imaginons, à un moment donné, vous avez 2, voire 3 dés blancs au tirage, vous pouvez très bien lancer ces 3 dés-là pour pouvoir maximiser vos chances de gagner. Mais si vous lancez vos 3 dés et que vous faites donc 3, 6, donc 18, vous ne gagnerez pas 18 rembourrages, vous n'en gagnerez que 1. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous faites plus égal ou plus, vous gagnez. Donc voilà, c'était une petite parenthèse et c'est en fait c'est tout le jeu en fait il est comme ça. Et c'est là où c'est très intéressant parce que pour les enfants, il y a des couleurs et toutes les couleurs expliquent bien le fonctionnement du jeu. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Donc là, donc je relance mon dé blanc, vite fait, je fais 1. Donc là, je ne gagne pas mon rembourrage, donc je le mets dans la défausse. Le dé noir, ce sont les dés de menace. Ici, vous avez une piste de menace et donc je place mon dé ici sur la piste de menace et j'y reviendrai juste après. Maintenant, j'ai 3 dés. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, il n'y a pas de dés de déplacement. Et bien en fait, les dés de déplacement, c'est vous qui décidez si vous voulez quel dé vous voulez utiliser pour le déplacement. Donc là, par exemple, je vais utiliser le dé vert. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous pouvez vous rendre compte ici qu'il y a des zones vertes, là, sur le côté. Et donc, en fait, dans la règle, il nous explique, dans la mise en place, il nous explique que si on veut traverser ces zones-là, il faudra absolument qu'on utilise un dé vert pour pouvoir vous déplacer. Donc là, je lance mon dé vert. J'ai fait 3. Donc 1, 2, 3. Je ne monte pas sur le lit. Donc je ne peux rien faire. Mon dé bleu, je le mets de côté.
ici, dans ma zone de réserve. Et mon dé rouge qui me servait à mon attaque, eh ben, je peux soit l'utiliser pour me déplacer, mais je ne vais pas pouvoir aller sur la zone verte, soit je le mets à la défausse, et c'est ce que je fais. Donc voilà un petit peu mon tour, comment il se passe. À la fin du tour d'un joueur, vous devez regarder le nombre de dés de menace. Donc, par exemple, ici, il n'y en a qu'un, donc il ne se passe rien. En fait, les monstres s'activent quand il y a autant de dés de menace qu'il y a de joueurs. Donc, par exemple, là, il y a deux joueurs, donc il faut que les deux dés soient posés sur la piste de menace. Donc là, rien de compliqué. Donc là, c'est la fin du tour de Pato, et donc maintenant, c'est Théodora qui va prendre le relais. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc là, vous pouvez voir que j'ai fait un très mauvais tirage. Donc, je lance mon dé blanc pour gagner un rembourrage. J'ai fait 6, donc là, je gagne mon rembourrage supplémentaire. Les dés de menace viennent se placer ici. Et là, donc le dé qui est en trop à la défausse de mémoire, mais dites-moi si je me trompe dans les règles. C'est l'un des points que je trouve un petit peu, des fois, un petit peu pénible, c'est qu'au niveau des règles, parfois, ça manque de précision. Donc, mais bon, ça, c'est un détail. Donc, le dé blanc était utilisé, donc maintenant, il me reste donc mes deux dés. Donc, mon dé vert, je vais l'utiliser pour me déplacer. Donc, j'ai fait 1, ce qui est un score ridicule. Et donc, je réutilise mon dé violet pour avancer aussi un peu. Je fais 2, donc 1, 2, voilà. Fin de nos tours. Maintenant, ça va être le tour des monstres, parce que nous avons autant de dés qu'il y a de monstres. Donc là, vous pouvez voir sur la fiche personnage qu'il y a ici une petite zone 1, 3 et 4, 6. En fait, je prends le premier dé, je vais le lancer et j'ai fait 2. Donc, ce qui fait que je suis dans la zone ruée. Donc, ce qui fait que le personnage se déplace de 6 pas. En fait, ici, la zone ici, c'est le pas. Ici, c'est le nombre de distance qui peut nous toucher. Donc là, c'est du corps à corps. Et ça, c'est le nombre de dégâts qu'il fait. Vous pouvez aussi voir ici qu'il y a un petit carré pour le chiffre dans le chiffre 5, mais ici, il y a un rond. Et en fait, bah, tout simplement, ça correspond en fait à la forme des socles. Pour ne pas vous tromper, en fait, chaque socle a une forme et en fait, c'est lié aux cartes. Voilà, c'est un petit détail, puisque moi, j'avais du mal à comprendre au départ. Donc là, j'ai fait 2, ce qui fait donc le personnage avance donc jusqu'à Pato. Voilà. Et il inflige automatiquement 3 points de vie, 3 points de dégâts, je veux dire. Ce qui est déjà pas mal, c'est plus de la moitié de ma vie. Mais j'avais mis un dé de défense de côté. Donc, il faut que je fasse 3 ou plus. Donc, j'ai fait 4. Donc, je réussis à me défendre. Donc, je ne prends pas de dégâts. Et mon dé de défense revient dans ma réserve. Si j'avais échoué, si j'avais fait donc 2, par exemple, eh ben, le dé aurait été lancé dans la défausse. Je n'aurais pas gagné. À chaque fois que vous gagnez en fait, une défense, vous gardez votre dé. Donc là, c'était le premier monstre qui s'est activé. Donc, maintenant, on utilise le deuxième. On lance le dé, on fait 3, donc on regarde la fiche personnage, donc entre 1 et 5 c'est rué, donc il se déplace donc 2, 6, donc il va jusqu'ici, et il va attaquer donc à 4 points de dégâts sur un des ennemis. Donc je vais encore une fois attaquer Pato, c'est nous qui décidons un petit peu qui c'est qui l'attaque. Pourquoi j'attaque Pato? Bah, automatiquement parce que Pato il a une petite dé de défense, donc ça me permettrait de pouvoir hop là, bloquer, voilà, j'ai fait un 6. Donc, je bloque son attaque, le dé retourne dans la défausse et lui retourne dans ma réserve. Et c'est la fin du tour des ennemis. Et donc là, maintenant, c'est à Pato de rejouer et ainsi de suite. Donc là, on va vite fait voir un petit peu si j'ai un peu plus de chance au niveau des dés. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on peut voir que pas du tout. Les 3 dés ici vont me servir strictement à rien, lui aussi. Et donc là, j'ai que ces 2 dés-là qui vont pouvoir me servir en attaque. Donc, j'ai utilisé le premier dé pour attaquer le chef. Donc j'ai fait 6, le chef il a 6 points de vie, donc il fallait que je fasse 6 ou plus. Et en plus de ça, j'ai ma carte qui me donne un bonus de plus 1 en attaque. Donc ce qui fait que là, je tue le boss. Donc quand vous tuez le boss, parce que c'est ce que je voulais vous expliquer très rapidement avant de finir cette petite présentation, vous gagnerez des petits boutons comme ça, donc c'est super bien fait, c'est super joli. Et en fait, c'est une monnaie d'échange qui vous permettra à un moment donné de rencontrer des marchands au fur et à mesure du jeu. Et en fait, avec ces marchands-là, vous pourrez acheter de nouvelles cartes, donc ça aussi, c'est très très intéressant. Donc j'ai tué le premier, et après, avec le deuxième dé, je lance. Donc là, le sbire, lui, il n'a que 5 points de vie, d'accord? Donc il faut que je fasse 5 ou plus. Ben, j'ai fait 5, j'ai de la chance au dé aujourd'hui, ce qui fait que je le tue aussi. Hop là, le monstre est mort. Et donc après, il y a un petit texte qui nous explique, voilà, si les grouillants en fait sont morts, hop, ils nous racontent toute cette histoire-là, puis après ils nous disent, allez à la page 7, section 7.1. Et donc après, hop, on part à la page 7, je vous montrerai rapidement, et c'est juste à côté. Et voilà, nous avons un nouveau plateau, qui lui, en fait, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'informations. Ici, il y a des jetons donc de discussion qui sont ici.
Donc vous allez pouvoir, en vous plaçant ici, pouvoir parler avec des gens qui ont des histoires. Il y aura des choix à faire. C'est assez intéressant. Et des fois, il y a des choix. Soit tu prends le choix numéro 1, 2 ou 3. Et selon ton choix, bah, soit tu gagnes des choses, soit tu perds des choses. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Ici, c'est là où les monstres apparaissent, bien évidemment. Et là, vous pouvez voir qu'il y a le petit loop avec le 4. Donc là, quand on utilisera nos dés jaunes, il faudra faire 4 ou plus pour pouvoir fouiller. Et fouiller, c'est dans la zone de cartes ici. Donc vous pouvez prendre la première carte et vous la mettez sur vous. Donc un côté équipement, vous pourrez prendre donc un objet sur la tête, une arme à main et je crois un vêtement. Donc je crois qu'il y a 3 ou 4 possibilités d'équipement, mais ça c'est expliqué dans les règles. Donc voilà pour le fonctionnement du jeu. Et voilà pour la présentation du jeu et du matériel. Maintenant, il est temps de vous donner mon point de vue sur ce jeu. Je trouve que le jeu est vraiment très très bon parce qu'il s'adresse autant aux enfants qu'aux parents. Même si le scénario peut être un petit peu enfantin, parce que c'est vraiment le public qu'on vise, eh ben, je trouve que pour une fois, les parents ne se retrouvent pas à jouer à un jeu sans intérêt. Parce que même les parents, je pense, vont, parce que moi personnellement, j'ai joué avec des gens dans mon association, et tout le monde se prend au jeu. Tout le monde veut savoir un petit peu la suite, tout le monde veut avancer, donc c'est vraiment très très bon. Concernant les durées de partie, sachez que là, je vous ai présenté un plateau. Quand on joue à 4 joueurs, le plateau, il fait moins d'une demi-heure. Grand max. Vraiment, c'est en prenant son temps, c'est les premières parties. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de l'acte. Vous pouvez vous arrêter là, faire une petite photo avec votre téléphone pour faire une sauvegarde. Mais vous pouvez aussi bien enchaîner. Donc, un acte complet, un chapitre 1, c'est à peu près 4-5 plateaux. Donc, pour les débuts, puis après, ça peut augmenter au fur et à mesure. Il y a des embranchements qui sont différents entre chaque mission. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Ce qui fait qu'il y a une certaine rejouabilité parce que c'est le défaut pour moi du jeu. C'est qu'après, quand tu connais le scénario, quand tu sais ce qui va arriver, tu peux plus facilement l'anticiper, tu peux plus facilement t'y préparer. Donc, c'est vrai que le côté rejouabilité n'existe pas trop sur ce jeu, même s'il y a certains embranchements qui peuvent être intéressants à refaire. Et alors, est-ce qu'il faut les refaire dans la foulée ou est-ce qu'il ne faudrait pas laisser quelques temps pour pouvoir, entre guillemets, oublier ce qui s'est passé, pour relancer le jeu et essayer d'aller sur les autres embranchements? Peut-être. En tout cas, Edge propose sur leur site, si vous êtes inscrit, un scénario complet, un chapitre complet qu'il faut juste imprimer. Et sur des feuilles, et donc vous avez, je crois, 4 ou 5 plateaux aussi. Alors, bien sûr, ça n'a pas le même toucher que sur le livre, mais en tout cas, je trouve que c'est super intéressant de le proposer comme ça régulièrement. De nouvelles missions. Deuxième défaut pour moi, c'est les règles qui sont parfois, comme on a pu le voir là par rapport aux lignes vertes, certaines règles méritent beaucoup plus de précision. Il y a eu une FAQ qui a été disponible encore une fois sur le site qui permet de corriger certaines incompréhensions, mais c'est vrai que les règles, quand on les prend telles quelles, sont un petit peu des fois pas très claires, survolent certains points et je trouve que ça rentre pas assez en détail. Ça précise pas assez les choses et donc tu te poses beaucoup trop de questions. Donc bon, voilà, c'est un défaut, mais je voulais quand même le préciser. Donc pour conclure, moi je trouve que le jeu est vraiment excellent pour jouer en famille. Je le conseille vraiment aux parents. Alors pour l'âge des enfants, ça va dépendre un petit peu de chacun. J'ai des gens autour de moi qui ont pu jouer au jeu avec leur fille de 5 ans, je crois, de mémoire. C'est un joueur qui joue sur Horror Arkham, qui m'a dit qu'elle a vraiment kiffé, qu'elle n'a pas eu peur ou autre, parce que c'est vrai que le thème peut faire un peu Tim Burton, donc c'est vrai que ça peut faire peur, entre guillemets. Il m'a dit qu'elle avait vraiment kiffé, elle avait 5 ans, et d'autres qui attendent un peu plus longtemps. Donc ça va vraiment dépendre un peu de vos enfants pour pouvoir savoir s'ils sont prêts ou pas. Et comme je dis, même s'ils ont du mal à tenir l'attention, les règles sont super simples. Et en plus de ça, vous pouvez faire qu'un seul plateau, c'est une demi-heure de jeu. Je pense que normalement, sur les coups de 7, entre 6 et 8 ans, je pense que là, c'est vraiment l'âge qui peuvent commencer. Mais après, voilà, encore une fois, ça dépend de vos enfants. Le matériel, parce que je vais terminer sur le matériel qui est quand même sublime, les illustrations sont très jolies, les figurines sont très belles aussi, il n'y en a pas énormément et je trouve que c'est super intéressant puisque la mise en place n'est pas obligée d'être hyper longue, c'est-à-dire qu'en gros, là, le plateau que je vous ai présenté là, la mise en place, ça a duré même pas 10 minutes, donc par rapport à d'autres gros jeux avec beaucoup de figurines, bah, c'est vrai que ça rallonge le temps. Là, les figurines sont très jolies, sobres, pas beaucoup et le matériel est vraiment très beau, les illustrations des cartes sont très jolies aussi, autant la qualité que les illustrations. Bref. Tout est fait pour vraiment nous immerger dans cet univers et pour moi, le pari est vraiment réussi. Donc voilà pour la vidéo. Si le jeu vous intéresse, sachez que je mets un petit lien dans la description, un lien Philibert. Alors j'explique les choses vite fait. En fait, je suis en partenariat avec Philibert, ce qui fait qu'à chaque fois que vous faites un achat en passant par ce lien-là, eh ben, je gagne une petite commission dessus. C'est-à-dire que vous ne touchez, c'est-à-dire que vous ne payez pas plus, vous gagnez pas, enfin, vous gagnez pas d'argent, vous en perdez pas. Mais moi, je récupère un peu d'argent de chacune de vos commandes. Donc voilà, je ne vais pas le marteler sur Facebook, il y a beaucoup de liens, je voulais vraiment faire ça un peu discrètement, mais sachez que si vraiment vous voulez passer par ces liens-là,
Il est dans la description. Le lien dure une demi-heure avant de valider votre panier. Donc, c'est-à-dire que si vous passez une heure sur le site, il faudra absolument repasser par le lien. C'est un peu contraignant, surtout qu'il n'y a rien visuellement qui vous le dit. Donc voilà, sachez que le lien dure à peu près une demi-heure et c'est dans cette demi-heure-là qu'il faut valider le panier pour que je sois commissionné là-dessus. Voilà, en tout cas, ça permettra d'aider la chaîne, de pouvoir acheter de nouveaux jeux. Et sachez que s'il y a vraiment un retour, parce que j'ai déjà 3-4 personnes qui sont déjà passées par le lien, bah, sachez que peut-être qu'en début de mois, je ferai un point sur ce qui a été gagné par rapport aux achats et l'argent que j'ai touché. Et par rapport à ça, peut-être découvrir de nouveaux jeux ensemble. Je vous proposerai peut-être une liste de jeux, histoire de vous impliquer aussi un petit peu dans la vie de la chaîne. Je pense que ça peut être intéressant à faire ça. Parce qu'en termes de matériel, c'est vrai qu'il y a toujours des besoins, des envies, de nouveaux trépieds et compagnie. Mais c'est vrai que maintenant, je suis vraiment bien équipé. Et maintenant, peut-être plutôt voir les jeux avec vous, ce qui vous intéresse de découvrir ou pas. Voilà, c'est une petite parenthèse là-dessus. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, à partager la vidéo, et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!